Good morning, allez, Iden et Sutra aujourd'hui, le Nishman Rishorod Ben Fortune Mazal et Claudie Srak Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude, vous pouvez contacter les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Souka, Perek Hey, Mishnah Dalet. Chassidim Anshem Asse Ayom Eragdim Lifnehem Bavukot Shel Or Shebideen. Vomrim Lifnehem Divrei Shirot Vetishbachot. Valevim Bekinorot Uvinvalim Uvmitsaltaim Chatsutsrot Uvichle Shir Belom Mispar. על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל, עזרת נשים, כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים, שעליהם לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. Et on s'arrête là, parce qu'on est mouchant relativement, ça ne sert à rien de dire plus pour le moment. Chassidim Anshem Maase, on continue bien évidemment à raconter toute la Simchat Bet HaShoeva, comment se passer là, on va concrètement entrer dans le vif du sujet, parce que jusqu'à maintenant on a parlé des préparatifs. On a parlé des balcons qu'à la sortie de Yom Tov ont dressé pour que les femmes puissent rester en haut et les hommes en bas. On a parlé des ampoules, des lanternes qu'on allumait et qui éclairaient tout Yerushalayim. Ça faisait une très grande lumière dans toute la Zara. Et maintenant, concrètement, comment se déroulait cette nuit merveilleuse? Il y en avait comme ça 5 à 6 par an, pendant tout Soukhot, sauf quand ça tombait pendant Shabbat, tout pour la mois de Soukhot. Alors la Mishnah me dit, Chassidim, Vanchem Aase, les Chassidim. Chassidim entendre quelqu'un qui. Les gens qui perfectionnent leurs actions tout le temps, qui veillent à toujours servir Hachem, pas le mouvement Chassidi, bien sûr, évidemment, si ce n'était pas l'époque. Donc il y avait les Chassidim, Vanchem Aase, les gens qui. Tous les gens importants qui font des grandes mitzvot, qui étudient la Torah bien. Eh bien, eux, Ayu Meragdim Lifnehem, ils dansaient devant eux. Devant qui? Devant le reste du peuple. On avait déjà dit qu'il n'y avait que les Talmidei Chachamim et les Tzadikim qui dansaient à Simchat Bet HaShoeva, et tout le monde qui regardait, et tout le monde puisait la Simcha de ça, bien évidemment. Et donc, ils dansaient avec Bavukot Shel Or Shebideim, avec des torches allumées qui étaient dans leurs mains. Soit parce qu'ils dansaient, ils faisaient des gestes avec, ou parce que peut-être qu'ils jonglaient, la Gemara raconte avec Rabban Gamliel qui jonglait avec 4 et 8 même, je crois, torches en même temps. Véomrim, il ne faisait pas des répétitions pendant 3 mois avant les fêtes, vous inquiétez pas, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait ça, mais en tout cas, c'est sûr que non. Véomrim, lefnehem, divrei shirot, vetishbachot. Et on disait devant eux, alors devant eux, devant qui eux, je ne sais pas. Cette fois-ci, ce lefnehem, devant quoi, c'est-à-dire même ceux qui étaient de côté, ils ne chantaient pas eux-mêmes, apparemment. Ils chantaient divrei shirot, vetishbachot. Ils chantaient des chansons qui glorifient Hachem. Le Barthénois nous rapporte même c'était quoi. Il y avait deux types de chansons en fait. Il y avait les gens qui sont nés de Tzadikim et les gens qui sont des Baalei Tshuva. Ceux qui sont nés de Tzadikim, eux ils chantaient Ashrei Yaldutenu Shelo Biyisha et Zakutenu, Ziknutenu. Aujourd'hui on est tous des Talmid Chachamim, on est tous des Tzadikim. Mais heureusement que notre enfance ne fait pas défaut à notre vieillesse. Ça c'était les Tzadikim pur sang. Ceux qui étaient Baalei Tshuva, eux chantaient, ils avaient un deuxième refrain, ils disaient Ashrei Ziknutenu, Shekipra al Yaldutenu. Heureux soit notre. Le fait qu'on est devenu vieux et juste, ce qui fait qu'on répare ce qu'on n'a pas fait quand on était enfant. Et à la fin, tout le monde chante en même temps Ashrei Mishelochata ou Mishachata Venim Chalo. Heureux soit celui qui a jamais fauté, et s'il a fauté, heureux soit-il qu'Hachem lui efface ses fautes. D'accord? Ça, c'était la chanson. Ensuite, la Mishnah continue à me raconter. Donc, ils chantaient. Valevim et Kinorot. Et Levim, ils avaient des instruments de musique. Ils avaient des Kinorot, c'est de l'harpe. Binvalim, je ne sais pas si c'est des sortes de guitares, ou si c'est plutôt des sortes de oud, ou de. Ouais, c'est quoi qu'il arrive, c'est un instrument à cordes. Ouve Mitzeltaim, et avec des cymbales. Ouve Chatzotzot, avec des trompettes. Et avec des instruments de musique à énorme quantité, jusqu'à ne plus pouvoir les compter tellement qu'il y en avait. Et il se tenait où? Al Khamesh Esraim Maalot Ayurdot Me'ezrat Israël Ezrat Nashim. Il se tenait où les Lévim? Il se tenait sur les 15 marches qui descendaient depuis la Ezrat Israël jusqu'à l'Ezrat Nashim. On a expliqué le Beth Amikdash, comment il était construit une fois qu'on arrivait, qu'on entrait dans la Ezrat Nashim, c'était un peu comme une sorte de salle qui. De grandes cours
qui précédait l'enceinte même où il y avait le Mizbar, pendant il n'y avait pas dans les Atnachim, il n'y avait pas le Mizbar. Il y avait là-bas 15 marches qui montaient jusqu'au Shahar Nicanor, la porte de Nicanor, et là-bas, on entrait dans la Hazara, où il y avait là-bas les Israël, il y avait le Mizbar, il y avait le Kodesh HaKodeshim. Donc là, on est dans les Atnachim, on n'est pas encore arrivé dans les Israël, et là-bas, il y avait 15 marches, des marches qui étaient l'Agma dans Tamid, Midot, elle nous raconte la largeur de chaque marche, que c'était une sorte de Unama. Donc il y avait comme ça 15 marches, il y avait plein de Kohanim qui étaient chacun avec des instruments de musique, ils étaient tous là-bas, surtout ils remplissaient les marches, avec les instruments de musique. Keneged, et pourquoi c'est quoi ces 15 marches? Alors la Mishnah me dit en corrélation, en rapport, en parallèle, avec les 15 Shira Maalot Sheba Teilim. Dans le livre de Teilim, il y a 15 Shira Maalot. Quand on arrive, je ne sais plus, vers Kouf Tet Vav, et là-bas, alors on va se trouver avec plein de Shira Maalot, Mimanakim, Shira Maalot Kine Balanku Hashem, Shira Maalot et David Samartim Omrimli, Shira Maalot Maalot et Sanayer El Harim, tous les Shira Maalot, il y en a 15 comme ça. Et en rapport avec ces 15 Shira Maalot, donc il y a 15 Maalot, il y a 15 marches au Beit HaMikdash. Shaleem, Leviim, Omdim, Bekleshir, Omrim Shira, que là-bas se tiennent les Leviim avec des instruments de musique et disent des chansons. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah. On a expliqué maintenant comment se présente la scène, donc pendant toute la nuit, tout le monde dansait. Mais quoi? Le but de tout ça, le but, si je peux dire, le but de tout ça, c'est de se réjouir avec Hachem. Mais le clou de la nuit, c'est les Kohanim qui ont des tonneaux en or avec lesquels ils vont partir remplir l'eau du Mayan HaShiloach. Donc, les Kohanim, ils se tiennent. Ve'amdushne Kohanim Beshar Elyon. Il y avait deux Kohanim qui se tenaient sur la porte d'en haut, chez Yored Mezrat Israël, les Atnachim, qui descendent depuis les Israël jusqu'à les Atnachim. Donc imaginez que c'est le Shahar Nicanor, à mon avis. Ok. Shahar Nicanor, exactement comme ça s'est précisé dans le Tiferet Israël. Donc là-bas, il y avait deux Kohanim qui se tenaient là-bas. Ushtechatzotzrod Bideyen. Et ils avaient deux trompettes dans les mains. Kara Gever. Il y avait, dès qu'on a appelé Kara Gever, le responsable, il s'appelait le responsable, il disait « Allez-y !» Il donnait le feu vert, et bien « Taku ve'eriu ve'taku ». Il sonnait le chauffard avec « Tkia, Troua, Tkia ». Ouais, « Tkia » c'est le tout, et « Tria » c'est tout, et « Taku, Tkia » de nouveau, un son de chauffard long. Et alors là, ça manque de préciser qui, que... Il manque un détail, ça me manque de comprendre le but en tout cas. Je vous explique. Ah, je pense que c'est les deux qui avaient les deux trompettes. Le but, c'est qu'on a des Kohanim, qui ont des ustensiles, qui vont partir puiser l'eau. Mais c'est pas, alors apparemment, c'est pas ceux qui ont les trompettes. Alors quoi? La Mishnah me dit maintenant. Donc on a sonné le chauffard, et puis Igio les Mala Sirit. Ils sont arrivés à la 10e Mala. Donc ils ont descendu 5 marches. Qui? Les deux Kohanim qui étaient en haut. Mais quel rapport avec ceux, ça manque, on dirait que comme si qu'il y avait ceux qui avaient le chauffard, c'est eux qui avaient aussi le tonneau apparemment, ça me manque un peu de comprendre exactement la scène. Donc, Igiou les Mala, ils sont arrivés à la 10e marche, Taku, Verio, Vetaku, là-bas de nouveau, on s'arrête, on fait une halte, et on sonne de nouveau le chauffard, Tkia, toi, Tkia. Ensuite, ils arrivent jusqu'au parterre, Igiou la Hazara, jusqu'au sol, Taku, Verio, Vetaku, et on sonnait le chauffard avec une tki à trois et tki à, mais attention, on le faisait très long cette fois-ci. Il continuait à sonner le chauffard jusqu'à que ces Kohanim-là arrivent jusqu'à la porte qui va sortir du côté est, donc de l'autre côté. Ouais, je vous rappelle, on avance toujours en direction de l'ouest. Plus on avance dans l'ouest, plus on avance dans l'angle du chat. Shrina be Maharav, Maharav c'est l'ouest. Le Kodesh HaKodeshim, mais il est à l'ouest. Et donc on entre depuis la porte d'est vers l'ouest. En montant au fur et à mesure, Ezrat Israël, Ezrat Nashim, les 15 marches, Ezrat Israël, après Ezrat Kohanim, il y a déjà le Mizbeach, après il y a le Kodesh HaKodeshim, au fur et à mesure en avançant dans l'Est. Là maintenant, ils ont la direction contraire, puisqu'ils sont en train de sortir. Ils vont sortir par la porte qui se trouve à l'Est, donc ils sonnaient le chauffard jusqu'à qu'ils arrivent à l'entrée. Quand ils arrivent à l'entrée, ils ne sortent pas tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font? À Froupnehem, les Maharav, ils se retournaient vers l'Ouest, vers Amrou, et ils disaient, Avotenu Shayu Bamakomaze, nos ancêtres qui étaient dans cet endroit-là, Achorehem Elechal Hashem, ils donnaient leur nuque
ou plus précisément leur derrière, et on va expliquer pourquoi, vers le Echal. Ou Fnehem Kedma, tandis que leur panim était à l'est, là où il y a le soleil qui se lève, comme ceux qui servent le soleil des idolâtres. Vema Mishtachavim Kedma la Shem, et j'ai se prosterné devant le soleil. Mais nous, va nous les Yahinenu, mais nous, à Hachem sont nos yeux, vers Hachem sont nos yeux, et on explique d'abord, avant de continuer sur la dernière phrase de Rabbi Yehuda, qu'en fait, ils viennent tout simplement dire que, malheureusement, nos ancêtres qui étaient ici, à l'époque du premier Beit HaMikdash, ils sont tombés dans l'idolâtrie complètement, au point même de mépriser la Avodat Hachem, au point où la Gemara précise, quand je vous ai dit qu'ils avaient leur derrière Hachem, c'était réellement ça. Il y en a qui portent le Beit HaMikdash et qui faisaient leur besoin en direction du Maharav, pour mépriser encore plus la Kedusha et se prosterner à l'est. C'est un Yetzara de Avodah Zara qu'on n'a même plus à notre époque, aujourd'hui on ne comprend même pas qu'est-ce qu'il veut un idolâtre, à se prosterner devant une statue. En tout cas, eux, ils avaient ce Yetzara, malheureusement, et au point de mépriser toute la Kedusha et se prosterner à l'est. Mais nous qui sortons maintenant de ce Beit HaMikdash, alors, avant de sortir, au contraire, on se retourne vers l'ouest, et en Kavod avec Hachem, on va se courber vers lui pour sortir de manière courbée, tel un esclave qui va se retirer de son maître, de chez son maître avec, avec respect, révérence et humilité en même temps. Et donc il disait, va nous les Yah et nous, à Hachem, le Yudke, c'est le nom d'Hachem, pour lui sont nos yeux. Vers lui sont nos yeux. Rabbi Yehuda Omer, Ayushonim Vomrim. Rabbi Yehuda dit non, il ne disait pas ça en une phrase, va nous les Yah et nous, mais il disait, à nous les Yah ou les Yah et nous. Nous sommes pour Hachem et vers Hachem sont nos yeux. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, comme de manière générale, on dit merci sur ce qu'il y a déjà eu, et on prie pour le futur. C'est la même chose à nous, les Yah, nous sommes pour Hachem, nous le remercions, nous le reconnaissons pour nous, parce que nous avons conscience que c'est lui qui dirige le monde, où les Yah et nous, et nos yeux sont vers Hachem, c'est-à-dire pour le futur, à l'avenir, qui continue de nous aider, nos yeux sont rivés vers lui. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Selah.